La légende du Che volant. En de grâce, 1641, un beau soir d'été. Tout était calme dans les rues de la bonne ville de Verviers, à part quelques joyeux lurons qui buvaient leur verre de péquet à la terrasse d'un café. Lorsque l'un d'eux s'écria « Mes amis, mes bons amis, je viens d'avoir une idée, une clapante idée qui nous fera connaître dans le monde entier et même encore plus loin. Ah, nous allons faire voler un chat. Un chat? Mais tu es complètement fou ou sous ma parole ?» Que non, mes amis, car il paraît qu'à Ypres, ils ont fait voler des chats. Alors nous, on n'est pas plus bêtes. Et puis, notre chat s'envolera de Verviers vers Liège, vers Bruxelles vers Paris, il traversera l'Atlantique et se dirigera vers les lointaines Amériques. Alors les gens diront, « Oh, mais regardez, c'est le chat des gens de Verviers !» Et tout l'honneur, mes amis, toute la gloire, tout l'honneur et toute la gloire seront pour nous, les Verviétois. Tout compte fait, il n'a peut-être pas tout à fait tort. D'accord, d'accord, mais ne nous emballons pas. Il nous faut procéder scientifiquement. Et pour cela, consultez un homme intelligent qui a fait de hautes études. Et pourquoi pas l'apothicaire Sarolea? Bonne idée, allons-y sur le champ. Et les compères s'en allèrent vers l'officine de l'apothicaire. Après quelques instants, une fenêtre s'ouvrit à l'étage et une tête, bouffie de sommeil, se pencha sur la troupe bruyante. Mais que se passe-t-il? Monsieur l'apothicaire, nous venons d'avoir une idée. J'espère bien qu'elle est bonne, votre idée, pour m'éveiller à pareille heure de la nuit. Nous avons décidé de faire voler un chat. Un chat? Mais vous êtes complètement sous ma parole. Allez, oust, rentrez chez vous, bande d'ivrognes. Mais ne vous énervez pas, car il paraît qu'à Ypres, ils ont réussi à faire voler des chats. Alors nous, on n'est pas plus bêtes. Et puis, notre chat s'envolera de Verviers vers Liège, vers Bruxelles, vers Paris. Il traversera l'Atlantique et se dirigera vers les lointaines Amériques. Alors, les gens diront « Oh, mais regardez, c'est le chat des gens de Verviers. » Et tout l'honneur, toute la gloire, tout l'honneur et toute la gloire seront pour vous. Vous avez bien dit « tout l'honneur et toute la gloire ». Oui, monsieur l'apothicaire. Alors, pourquoi pas? Le temps que j'enfile mon costume et je vous rejoins. Aussitôt dit, aussitôt fait. Mes amis, il nous faut procéder scientifiquement. Trois conditions s'imposent. La première, c'est de choisir un chat léger, parce qu'un chat léger n'est pas lourd. La seconde, c'est de le purger. Et la troisième, c'est de lui attacher des vessies de porc séchées et bien gonflées sur le dos. L'animal fut trouvé. On s'empressa de le purger et on fixa une bonne paire de vessies de porc au dos. Il reste que faire voler un chat est un événement public et qu'il nous faut obtenir la permission de notre bourgmestre. Bonne idée, allons-y sur le champ. Et les compères sont partis vers la maison de monsieur le bourgmestre de Verviers. Après quelques instants, une fenêtre s'ouvrit à l'étage et une tête gonflée de sommeil, surmontée d'un bonnet de nuit, se pencha sur la troupe. « Mais que se passe-t-il? Monsieur le bourgmestre, nous venons d'avoir une riche idée. J'espère bien qu'elle est riche, votre idée, pour m'éveiller à pareille heure de la nuit. Nous avons décidé de faire voler un chat. Un chat? Mais vous êtes complètement sous ma parole. Allez, oust, rentrez chez vous, bande d'ivrognes. Mais ne vous énervez pas, car il paraît qu'à Ypres, ils ont réussi à faire voler des chats. Alors nous, on n'est pas plus bêtes. Et puis notre chat s'envolera de Verviers vers Liège, vers Bruxelles vers Paris. Il traversera l'Atlantique et se dirigera vers les lointaines Amériques. Alors les gens diront, « Oh, mais regardez, c'est le chat des gens de Verviers. Et tout l'honneur, toute la gloire, tout l'honneur, toute la gloire seront pour vous. Vous avez bien dit tout l'honneur et toute la gloire? Oui, monsieur le bourgmestre. Alors pourquoi pas, le temps que j'enfile mon habit et que je vous rejoins. » Aussitôt dit, aussitôt fait. « Mes amis, déclara le bourgmestre, je vous donne officiellement l'autorisation. Mais de quel endroit pensez-vous le faire partir? Je pense qu'il serait judicieux de le faire décoller du sommet de la tour de l'église Saint-Remacle. Mais pour cela, il serait convenable de demander l'autorisation à monsieur le curé. Bonne idée, allons-y sur le champ. » Et les compères s'en partirent vers la maison de monsieur le curé de Verviers.
Après quelques instants, une fenêtre s'ouvrit à l'étage et une tête se pencha. Mais que se passe-t-il ? Monsieur le curé, nous venons d'avoir une idée géniale. J'espère bien qu'elle est géniale, votre idée pour m'éveiller à pareille heure de la nuit. Nous avons décidé de faire voler un chat. Un chat ? Mais vous êtes complètement sous ma parole. Allez, ouste, rentrez chez vous, bonne ivrogne. Mais ne vous énervez pas, car il paraît qu'à Ypres, ils ont réussi à faire voler des chats. Alors nous, on n'est pas plus bêtes. Et puis, notre chat s'envolera de Verviers vers Liège, vers Bruxelles, vers Paris. Il traversera l'Atlantique et se dirigera vers les lointaines Amériques. Alors les gens diront « Oh, mais regardez, c'est le chat des gens de Verviers. Et tout l'honneur, toute la gloire, tout l'honneur et toute la gloire seront pour vous. » Vous avez bien dit tout l'honneur et toute la gloire ? Oui, monsieur le curé. Alors, pourquoi pas ? Le temps que j'enfile mon habit et je vous rejoins. Aussitôt dit, aussitôt fait. Mes amis, pontifia le curé, je bénis solennellement notre entreprise et vous autorise à utiliser la tour du clocher de notre église. Le soleil commençait à poindre, les vaillants Vervétois entreprirent l'ascension de la tour de l'église Saint-Marc. Arrivés au sommet, l'apothicaire, le bourgmestre et le curé élèvent le chat vers le ciel. Et hop, les compères le lancèrent dans les airs. Et la bête s'envola en droite ligne vers les pavés du trottoir de l'église de Vervée, à la plus grande honte des autorités. Le chat, grâce aux vessies qui firent l'effet d'un parachute, s'en tira sans dommage. Et depuis ce jour-là, jamais plus on ne le revit dans les rues de Vervée. Et c'est sans doute ce qui explique que là, plus qu'ailleurs, les chats rasent les murs des bâtiments. C'est qu'ils ont de bonnes raisons de se méfier des lubies des habitants du lieu. On parla encore longtemps de cette histoire, tellement longtemps que même aujourd'hui, les Wallons, pour parler d'un exploit impossible, disent « faire voler le chat ».